On va être prêt à débuter le match dans quelques instants. Le lancer. Troisième prise sur décision. Malo n'est pas d'accord. Discute avec l'officiel Colton Smith. Et le premier frappeur du match est une victime à l'affiche de Matthew Rush. Balle frappée à travers le monticule. Elle perce avant en champ. Et Grave, le premier frappeur des Aigles, frappe un premier coup sûr. La cible de Black Hat à l'extérieur. On tente l'amorti. C'est réussi. Et Sanford récupère la balle, remet à Fouenmayer pour le premier retrait, mais sur le jeu, mission accomplie. Grabe termine sa course au deuxième. Balle frappée au champ droit, va tomber en lieu sûr devant Asif Shah. Et facilement, Grabe atteint le troisième. C'est un simple pour Michael Hernandez. Balle frappée vers Fouenmayer qui bloque la balle, remet au deuxième pour un. On remet au premier, pas à temps. Grabe croise la barre, les Aigles mènent par la marque de 1 à 0. Le tir. Balle soulevée au champ droit, longue course pour Shaw, la balle est frappée à la piste d'avertissement, elle donne contre la clôture, on pousse Meller jusqu'au marbre, ça sera serré, le relais, il décide, sauf! Nous voilà en fin de deuxième avec les Aigles au bâton, tir de Sanford, balle frappée, elle perce l'avant-champ du côté gauche, balle retroussée au champ centre, le tireur Boucher doit reculer, recule à la piste d'avertissement, la balle est frappée contre la clôture, Brown s'amène au troisième et c'est un double pour Felix Brown. Balle frappée mollement vers Perlé au troisième qui saisit la balle. Remet au premier. Pas à temps. Le relais est hors cible. Brown bien marqué. Et Felix Brown également. C'est maintenant 4 à 0 pour les Aigles. Le tir. Balle retroussée au champ droit. Shaw doit reculer. Recule à la piste d'avertissement. La balle est tombée en lieu sûr. Et du deuxième, on vient marquer. On glisse au deuxième. Il est sauf. Point produit et un double à la fiche d'Hernandez. C'est maintenant 5 à 0 pour les Aigles. Tire de Sanford, balle retroussée solidement au champ centre droit. À la piste d'avertissement, la balle elle est sur la lune. Et voilà en fin de troisième manche, les Aigles qui ont marqué 7 points déjà. Le tir. Balle frappée au champ centre gauche. Perlé doit boucher leur cul. La balle passe par-dessus sa tête. Elle roule jusqu'à la clôture. Facilement, Guzman et Brown viennent marquer. C'est un double et deux points produits à l'affiche. Le Mellon, c'est maintenant 9 à 0 pour les Aigles. Le tir, balle frappée, elle perce la vache du côté gauche. Mellon démarqué, c'est maintenant 10 à 0 pour les Aigles. Et voilà, en fin de cinquième, les Aigles qui mènent par la marque de 10 à 0 sur les Capitales de Québec dans le quatrième match de cette série. Aucune balle ne prise à Fouenmayer. Balle frappée solidement au champ centre droit. Longue course de Brown. Cette balle va tomber et elle roule contre la clôture et Brown échappe la balle. Et on pousse Gouriel au marbre. Le relais, pas à temps. Et les Capitales marquent leur premier point. C'est maintenant 10 à 1 pour les Aigles. Le tir va le frapper mollement à l'avant-champ. Saisi par Brown à la récourte qui remet au deuxième pour un. Et au premier, à temps pour le double jeu. 6, 4 et 3. Et sur le jeu, Fouenmayer vient marquer. C'est maintenant 10 à 2 pour les Aigles. Voilà en fin de sixième au parc de l'exposition. Les Aigles qui mènent par la marque de 10 à 2 sur les Capitales de Québec. Balle frappée solidement au champ centre. Boucher recule à la piste d'avertissement. Elle est sur la lune. Balle frappée solidement au champ centre droit par Mellon. À la piste d'avertissement. Elle est sur la lune. Eh bien là, si moi, est-ce que ça va être jamais 203? Parce que deuxième circuit consécutif pour les Aigles. Voilà en début de neuvième, les Aigles qui mènent par la marque de 13 à 3 sur les Capitales de Québec. Le tir de Leblanc. Balle frappée mollement avant champ. C'est Brown qui saisit main nue, échappe la balle. Malo est sauf au premier et Helms termine sa course au deuxième. Meller recule de quelques pas sous la balle et saisi pour le troisième retrait. Victoire des Aigles par la marque de 13 à 3. Une troisième victoire consécutive, mais surtout une première série remportée à la maison.